Et salut tout le monde, salut YouTube, nous sommes repartis pour du God of War sur PS5 en difficulté max toujours. Donc nous sommes toujours à Niflheim. Et cette fois-ci nous sommes dans la deuxième partie de Niflheim qui sont les champs de brume. Et notre but ça va être d'aller terrasser ben, le dernier berserker ou du moins l'avant-dernier berserker plutôt parce qu'il y en aura un ultime si j'ai cru comprendre. Étrange de voir une fleur ici. Ok, 8 sur 9 fleurs, la dernière doit se trouver à Muspelheim j'imagine. J'imagine. Ok, donc là on a la fleur. Comment. Où est-ce que je dois aller? Par là. Ok, c'est par là. Ici, de toute façon, nous n'avons que la pierre tombale à faire et c'est tout. Même si le chemin est grand. Et je me souviens plus, ouais, on a peut-être dû venir une première fois ici. Je me souviens plus. Je me souviens plus à quelle occasion on était venu ici, mais ouais, je crois qu'on a dû venir ici pendant l'histoire. Je vais pas me faire chier à aller voir ce qu'il y a à l'autre bout du chemin. Juste aller au niveau de la pierre tombale. Et pas plus. Est-ce que... C'est où? Elle est où la pierre tombale? Je l'ai complètement passée là, c'est ça? Non, elle est là-bas. Qu'est-ce qu'il me dit le GPS bug hein, j'ai l'impression. Alors c'est moi qui prends pas du tout le bon chemin, c'est possible. Mais pour moi, bon, j'ai l'impression que c'est juste là quoi. Peut-être que je peux pas y aller comme ça. Oh si, bon. Pff. Le GPS qui est en PLS quoi. La boussole. Il me dit n'importe quoi comme d'hab. Bref. Alors. La dernière hein. Enfin l'avant-dernière j'imagine plutôt. Normalement j'ai une pierre de raise. Alors on va en avoir le droit à 1, 2 ou 3. Ok, donc c'est... C'est un qui fait du Bifrost. Ça laisse peu de choix, enfin peu d'erreurs. Ah oui. Là je me prends un coup, je meurs pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment j'étais censé me protéger de ça? J'ai pas compris. Limite, il va nous valoir un stuff anti-bifos là. Ça, je sais pas quoi faire, ça, j'ai pas compris. On va sûrement crever. Grande chance. C'est une attaque que j'ai pas compris. Ok, on revient. Il ne reste pas énormément de vie, peut-être qu'on peut s'en sortir avec la rage, je sais pas. J'avoue que je ne comprends absolument pas ce qu'il faut faire ici. Il n'y a aucun cercle en plus. Enfin, genre, pour tu n'y es pas jaune, pas bleu, pas même pas rouge en fait. Mais ça tue quand même. J'avoue, je suis hyper flex là-dessus. Attention, frère, tu es couvert de Bifrost. Bah, va falloir trouver la solution. Finger.
je ne comprends pas. Genre, je ne... ça me perturbe en fait, parce que c'est... j'ai l'impression que l'attaque est inesquivable. Genre, tu ne peux rien faire, j'ai l'impression. C'est quand même chelou. C'est la première fois que je vois ça dans le jeu. Genre, un truc où je ne peux rien faire, genre. Faut juste que je vérifie quelque chose. C'est au niveau des... non, pas des reliques. Ah, c'est au niveau de l'amulette. Là, on a 25 résistances. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est bien. Et ça, par contre, je vais l'enlever parce que du coup, ça me sert pas ici. Et je vais mettre plutôt le truc qui m'enlève des bouts de bifroche. Je crois que j'ai un truc comme ça, là. Bifrost. Les attaques réussies et purgent des petites quantités de Bifrost de la jauge de santé de Kratos. Je sais pas, ça peut nous servir. Hein. Les attaques réussies, donc bon, c'est toutes les attaques quoi. Skiotendi l'infaillible. Attention frère, j'ai couvert de Bifrost. Merde, j'avais pas vu qu'elle attaquait. Hein? Hein? Une explosion de Bifrost, c'est ça qui m'a tué après. Mais j'étais... Ah, en fait, son coup m'a enlevé les derniers HP qui me restaient avant le Bifrost. Il va être chaud. Il va être très très chaud. Surtout ce qui me fait peur c'est l'attaque où... Attention, où je sais pas du tout ce qu'il faut faire. En fait, juste en étant son corps à corps, je me prends du Bifrost en fait. T'avais pas vu ça? En fait là j'ai tellement de Bifrost que je me prends legit un coup et ça suffit à me tuer. Ça m'a secoué le crâne. C'est chaud. Grand chose. Est-ce qu'il faut que je la touche pendant qu'elle est en l'air, genre que je lui fasse une attaque une attaque sur elle pour la cancel, c'est peut-être ça. Honnêtement, c'est le seul truc que je vois. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait marcher d'autre. Skiotendi l'infaillible. En fait, quand elle est comme ça, dès que je m'approche d'elle, ou tous les coups que je vais lui mettre, pas les coups que je vais prendre, là j'ai mal joué, et tous les coups que je vais lui mettre vont me stacker du Bifrost, c'est infernal. C'est infernal. Ouais, ça va être chaud ce combat. Hein. Ça va être très très chaud. Skiotendi l'infaillible. Attention, les couverts de Bifrost. Aïe aïe aïe.
ça fait vraiment tout le champ de bataille en plus. Ouais, bah ouais, faut juste, je sais pas, peut-être lui lancer Spear. Comme ça, même si je suis loin, je l'atteins. Au pire, vas-y, je vais jouer Spear, comme ça au moins je l'ai sur moi. On va jouer Britney un peu là. Changement de flèche. Là, je suis full Bifrost là. Ah, c'est ça, ok, faut la cancel. Je viens de me faire baiser par juste parce que j'ai pas voulu renvoyer l'attaque. Enfin le compte. Ah. Les timings de merde que je me mange. Ma caméra est super mal mise. Trop greedy. Ok, bah ouais, on va rester avec la lance hein, du coup. Comme ça me permet de la cancel directement. Où qu'elle soit. Attention, frère, je vais couvrir du bifra. Secondes ça dure, ok. J'ai une protection pendant 13 secondes. Barre de rage, ça devrait être suffisant. Et là on va lui péter son truc. Voilà. Et c'est terminé, let's go.
Ah bah il était cool celui-là. Non, en vrai, il était vachement bien. Il ne reste que le roi. Oui. Le plus dur. Trouver ces berserkers coriaces, eh bien... Écoute, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, mon frère. Il est peut-être temps de tourner la page. Gantelet des berserkers. La mort avec sa propre épée ne changera rien au passé. J'apprécie de te l'entendre dire, mais je compte l'affronter malgré tout. Quoi ? Après tous tes sermons... Aïe aïe aïe, le roi des berserkers. Il n'est pas bon de laisser un mauvais esprit hanter Midgard. Mais j'avais besoin de savoir que tes motivations étaient les bonnes. Hein ? J'apprécie l'attention, mon frère. Il ne me reste plus que le boss des berserkers. Vous entendez ? Quelqu'un pleure. Sinmara. Ah, l'amour de Surte. Doit-on lui dire ce qui s'est passé ? Elle sait. De toute façon, je sais pas où elle est, donc... Elle est peut-être plus loin, mais... on sait rien. Je sais pas, est-ce qu'il faut que je retourne en arrière pour aller parler à quelqu'un ? On va aller voir après, hein. De rien. En fait, je sais pas s'il y a réellement quelqu'un. J'en sais R. En fait, je sais même pas si je pouvais continuer après le... Après les berserk... après le berserker là, si. Sur la carte, on dirait que oui, mais... Peut-être c'est un truc en hauteur ou je sais pas, non? Là où est-ce que je suis censé continuer là? Il n'y a pas d'accès? Je pense qu'il n'y a plus d'accès. Bah ouais, mais on entend quelqu'un pleurer mais on peut rien faire du coup donc... Donc tant pis j'ai envie de dire. Là on peut pas y aller là. Je crois que c'est bouché, on peut plus. Non bah dommage. Hein. C'est pas moi qui veux pas, c'est le jeu qui veut pas, d'accord? Je vais retourner à l'autre quand même pour voir, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il y ait grand chose à faire. Donc du coup après ça sera direction Muspelheim pour faire la zone et entre autres trouver la dernière fleur et après on retournera à Midgard. Rien que le meilleur pour toi. Ça me saoule, ça bug encore les armes. Ça risque d'être très impressionnant. On sent, on sait toujours pas comment on a des braises ardentes. On peut pas en faire. On peut pas en faire des braises ardentes. Non. Mais non, là c'est pour vendre. Métal. Ouais non mais on peut rien faire. Hein. Ah bon, c'est peut-être à Muspelheim, c'est peut-être des récompenses de Muspelheim, les braises ardentes. Eh bien, allons voir. Parce que du coup, ça c'est fait à 100%, 100%. Pas encore. 100%, 100%, 100%. Donc ouais, il nous reste juste Muspelheim. Je vérifie quand même qu'on est bien à 100% ici, oui. Ok, donc Muspelheim et retour à Midgard pour vraiment tout achever. Et aussi à un endroit où on est censé affronter la... On est censé affronter la reine des Valkyries.
Mais où j'en sais pas plus. Alors là, du coup, on a l'épreuve du creuset. Et j'ai plutôt envie de retourner au niveau des falaises ardentes. Parce que l'épreuve du creuset, l'arène, j'avoue que c'est pas du tout un contenu qui m'intéresse. Donc je sais pas si on va le faire. Alors, est-ce que c'est ici qu'on peut faire le 100%? Ah mais c'est ici ou ici en fait? Ah ouais. De toute façon, ici il y a ça à faire. Parce que je me souviens plus. Non, on n'est pas retourné à Muspelheim avec, avec Kratos, ça me dit rien. Si, si, on y est retourné. Si, si, on y est retourné. Dis même que c'était bien chiant. Bah oui. Oui, on y est retourné. Oui, je m'en souviens. Oh putain, qu'est-ce que c'était horrible. Mais je crois que tout ce qu'il y a ici, on y avait tout fait hein, dans cette direction de toute façon. En vrai. En vrai, on y avait fait. Donc, ouais, il y aura juste les vestiges à aller faire et. Et c'est tout, hein, je crois. Hein. Je crois que c'est tout. Hein. On va sûrement rebattre des hordes d'ennemis parce qu'ils adorent faire ça. En plus, c'est des Asgardiens ici. Sur des montures. Ah, ils nous en ont parmi ici. Plutôt sympa de leur part. Hein. La dernière fois qu'on est venu, oh là là, bon après c'était pour la fin de l'histoire, mais qu'est-ce que c'était chiant. Oh, il y avait des ennemis tout le temps de partout, c'était horrible. Vraiment une des pires séquences du jeu, et il y en a des séquences de merde dans ce jeu. Bon bah dernier vestige d'Asgard, je suis plutôt heureux, même si à mon avis il va pas être simple. Des souvenirs que j'ai de des vestiges d'Asgard, plus de Muspelheim. J'avoue que ça n'augure rien de bon. Attends, pourquoi je suis... Quoi? Putain, mais je suis gelé? Je suis gelé, moi. Bah ouais, je pouvais pas, j'étais trop lent. Mais attends, mais pourquoi je suis gelé? Bifrost ou gelé, faut savoir. Je pense là, il va falloir utiliser... pour utiliser plein de compétences, je pense, pour être bien. Ah, c'est lui qui me jette du givre, ok. Il y a quelqu'un derrière. Derrière toi, mon frère. Oui, j'essaye de comprendre où elle est, justement. Ah, oui, ok. Bon. C'est toutes les afflictions possibles et inimaginables. Ouais, je crois que l'autre il est tombé. C'est plutôt cool. Ok. Je crois bien que c'était le dernier bastion des âmes. Ça, c'était pas si pire. Alors, l'oppression d'Odin. Une connaissance ici. Es-tu satisfaite? Oui. Les royaumes. Ah, donc il manque des trucs en fait ici. Okay. Je pensais pas que dans cette direction je pouvais encore trouver des trucs que j'avais loupés. Ouais, c'est peut-être des trucs qui sont apparus après mon passage en fait, du coup c'est non. Non, d'accord. Non. Le Valhalla renaîtra. Ok. La réponse de Kratos c'est non. Ok,
Ok, donc on a trouvé une connaissance. Qu'est-ce qui nous manque? Ah oui, bah du coup. Ah, mais si, ok, c'est séparé ici. Ça, c'est bien. Mais si, au final, c'est séparé. Oui, tout à l'heure, c'était pas séparé, et là, c'est séparé. Ok, bizarre. Ah, peut-être parce que j'étais comme ça, comme un connard. Ah ouais, je pense que c'est parce que j'étais comme ça, comme un connard. Ça doit être pour ça. Ok, bah nickel. Ok, bah ça va, il était pas si horrible, celui-ci. Plutôt heureux, du coup. On en est terminé avec ces vestiges d'Asgard à la con. Nous aurons donné quand même bien du fil à retordre. Surtout à Midgard, mais aussi on avait commencé à par Midgard, on n'était pas... On n'avait pas le full stuff ni rien encore. Ouais, c'était compliqué, je pense vraiment que j'ai commencé par le plus compliqué en termes de 100%. Je pense qu'il faut vraiment... En fait, quand tu fais le 100%, tu reviens et que t'as fini la cinématique de fin de Midgard, machin là. Tout le blabla. Bah en fait, je pense qu'il faut retourner à Svartalfheim direct. Quoique, putain, non, en fait, non, c'est fou l'Asgardien à Svartalfheim, j'avais oublié. Non, le mieux, c'est... Pour se mettre bien niveau ressources, ouais, c'est... Non, c'est plutôt... Vanaheim. En vrai, tu fais Vanaheim... donc les marais plus le truc avec les dragons et tout machin. Parce qu'en vrai, c'est assez simple. Et vu que c'est des mobs normaux, bah du coup, c'est... encore mieux quoi. Et après tu vas au désert, tu fais la deuxième partie du désert et ensuite tu vas à Svartalfheim et ensuite tu vas à Midgard. Je pense que c'est comme ça le vrai ordre. Pour le 100% pour te simplifier la tâche quoi. En quelque sorte. Ok, allons au creuset. J'espère que voyons donc dans quel trou de Muspelheim mène cette crête. J'espère qu'on peut faire le contenu sans faire l'arène. J'espère vraiment. Muspelheim. Je pensais que la chaleur serait plaisante après l'hiver à Midgard. J'avais tort. Oui, mais c'est une chaleur sèche. Une chaleur sèche. Le creuset. Terminé les épreuves du creuset. Ah, je sais que tu veux me faire faire des épreuves d'arène, alors que je déteste ça. Salut tout le monde. Vous venez pour les épreuves? Ou juste pour voir ma trogne? Ça, par exemple. La graine nous a bien mené au gantelet de Surte. Let's go. La dernière fleur. Un pétale cendré. Le fleuriste. Est-ce que j'ai besoin d'aller quelque part pour valider la quête? Je crois même pas. Hein. Non mais si, je pense que si, en vrai non. Ça peut pas se finir juste comme ça, genre juste tu ramasses tes graines et c'est tout là. Ouais, peut-être que si en fait. Coffre des Nornes en dessous. Putain mais attends, ça veut dire que va falloir que je me tape l'arène là pour pouvoir faire le coffre. Là il y a un truc non découvert. Bon même. Ah oui, ça c'est les épreuves là, ok. Avec les épées, je m'en souviens. Comme dans le premier. En fait, ça a la gueule d'une arène, quoi. Et il y a un coffre des Nornes. Je trouve ça un peu bizarre. D'avoir des accès de partout. Bon, vas-y, descendons. Ah, je peux aller là. Ok, alors quel type de combinaison est-ce? Ça a l'air très grand. Peut-être juste des trucs à éclater en une fois. Donc peut-être des trucs où tu loges ta spire. Mais là comme ça, il n'y a pas grand chose et c'est... Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce que ne pas en voir un directement au premier coup d'œil vers le coffre, c'est légèrement perturbant.
un seau d'eau ou une baignoire. Ou alors c'est étalé dans tout le dans tout l'endroit, c'est possible. C'est possible que ça soit qu'ils aient un peu abusé et qu'ils y aient mis à 40 endroits différents. Enfin à 3 endroits différents, mais 3 endroits bien distincts quoi. Donc là c'est le truc non découvert ici. Check quand même. On va essayer d'être vigilant. Mais non, je vais pas prendre le truc. Ok, il y a un camp. Avec un journal. Oula. Vainque la reine des Valkyries. Ah bah d'accord, elle est là. Ah bah voilà, ah voilà. Très bien. Ah donc on l'a fait maintenant du coup. Apparemment, hein. Apparemment on l'a fait maintenant. Hein. Ça y est, c'est acté. Hein. Donc officiellement le contenu le plus dur du jeu là. Si je dis pas de bêtises. Elle a beaucoup de vie. Ouais, bah voilà, on va falloir apprendre les patterns par cœur. Hein. Gidna, voilà Gidna. La reine des Valkyries. Bon bah ça va être un fight de longue haleine les amis. Tu vas payer. Tu fais pas ta garde. Alors ça déjà ce coup en early là, il me surprend. C'est déjà deux fois qu'il me surprend. Attention frère, découvert de Bifrost. C'est quoi? Ok. Oh là là, elle a l'air d'avoir tellement de patterns différents. Oh putain de sa mère. J'ai même pas fait genre 30 secondes de combat cumulé que j'ai déjà vu genre 15 patterns différents quoi. Oh, ça va être une sacrée épreuve les amis. Putain mais je me les prends toujours en early eux. C'est un truc de dingue quand même. Papa, le glissement de royaume ne dure pas assez longtemps. Il ne peut y avoir qu'une seule reine. Je ne peux pas l'attaquer en fait, c'est dommage. Entre ces deux coups d'aile. C'est dommage, c'est dommage. Bien. Alors fais-moi ton attaque là. Voilà. On va se protéger. Oh putain, oui d'accord, ok bon bah nouveau pattern, on connaissait pas ça. À genoux. Oh putain la portée. Oh j'ai cru que j'étais tellement safe. Non je me prends pas pour un dieu, c'est les gens qui ont tendance à dire que j'ai des similarités avec des dieux quoi. Et moi je l'ai jamais dit moi. Jamais dit je suis Kratos, bien. Dieu de la guerre. Tu vas payer. Tu as fait. À genoux. Élève-toi. Élève-toi. Une pierre de sang. Ok. Un peu cancel du coup avec une flèche. Ah. Voilà, c'est le one shot ça. Non mais presque. Ah si. Ah non. Voilà, merci Freya. La best. Ma besta Freya. Ma besta. Freya ma besta.
suffit pas. C'est fini. Cela est inutile. Ouais, on a enlevé une barre. Première barre enlevée. Let's go. Plus que 40. Ouais, non. Je ne peux pas attaquer après un glissement de royaume. Tu abandonnes déjà ? Toutes les attaques, enfin toutes les attaques où elle fait des enchaînements, je ne peux pas en fait, c'est trop... J'ai pas assez de marge en fait. Elle reprend son attaque trop rapidement. Tu vas payer ce que tu as fait. Ah. D'accord. Je me suis pris un pied-bouche là. Ça touche pas là, c'est ça? Je la touchais pas avec mon attaque là. Non. Pardon. C'était pas une attaque rouge là? Quoi, elle est passée à travers? Ok. Bon. Ça c'est les choses dont on a l'habitude dans God of War Ragnarok. Les petits bugs. Bon, bienvenue, surtout dans un fight de boss. Tu as fait. Surtout que Gna quoi. C'est vraiment le moment où t'as pas envie que ton jeu bug quoi. Prends trop ses distances. C'est quoi, une pierre de son ou une pierre de soin? C'est une pierre de son. Ah merde. Mais non, putain. Mais je l'ai déjà l'attaque. Mais oui, mais non, mais on a changé. On a changé de match. Changé de run. Ne vois-tu pas? C'est fini! Cela est inutile! Le feu t'emporte! Suicidaire! Tu brûles, Kratos! Oh, lightbox, hein? On va regarder là le... mon stream à côté en replay. Hein. Lightbox, quoi! À ce moment-là, c'est mieux d'être plus loin, du coup, pour avoir le temps d'esquiver, mais. Oh, lightbox, quoi! Tu vas payer ce que tu as fait. Ça doit faire mal. Et à quel moment en fait, genre, c'est bugué en fait, l'affichage est bugué, c'est censé être une attaque rouge. Ça fait deux fois qu'elle transperce mon... Oh. Ok. Tu nous as abandonné. Attention frère, tu es couvert de micro. Oh. Pas très sympa ça. Les moments où elle fait que prendre de la distance, c'est trop chiant. En fait, t'as envie de l'approcher, t'as envie de la toucher, machin, mais elle te laisse aucune occasion. Ok, c'est bon, c'est pas passé. J'ai pas raté un moment. Non, là, je peux pas. On va jouer H un peu, ça fait longtemps. Non, le lock? What the fuck, le lock? Oh fuck, cette attaque! Je me demande à quoi ça sert. Ouais, j'étais en pleine esquive, c'est peut-être pour ça que je me suis pris le coup. Mais bon, j'avais quand même mon bouclier levé. Je joue un peu la hache, je pense, ça fait longtemps. Et je pense que c'est une bonne occasion vu que c'est un pur 1v1. Tu vas payer ce que tu as fait. On va changer de flèche. Je sais pas si je vais pouvoir vraiment la frost, mais. Bah cette fois la flèche a pas marché. Ah mais oui, mais parce que c'est une flèche de son qu'il fallait faire. C'est pour ça. Ah ouais, du coup ça doit être une flèche de son. Putain, ça se trouve en fait elle doit avoir peut-être plusieurs phases.
Elle a peut-être des phases où elle fait un caillou de sigillaire et d'autres de son là. Il va falloir faire attention. Ok, non, bah je vais rester en son alors, parce que sinon je vais me faire baiser. Allez, sur ça. Tu vas payer ce que tu as fait. Ouais, j'ai pas retenu la leçon que je pouvais pas attaquer après. Un glissement de royaume. Une pierre de sang. Bah d'accord. Bah cette fois-ci la flèche a rien fait, alors que c'était la bonne. Est-ce que je l'ai faite trop tôt peut-être? Son arc il était tendu. Alors qu'elle avait plus les doigts dessus. Bien. Tu vas payer pour ce que tu as fait. À genoux. Mais putain, genre je comprends pas en fait, genre n'a aucun putain de logique que je me prenne le coup, genre y a aucune logique. Je suis pas en train d'esquiver, j'ai juste le bouclier levé, genre vraiment. C'est pas une attaque rouge. C'est juste genre. Juste le jeu a décidé de m'enculer quoi. Attention frère, tu es couvert du grand. Nouveau pattern ça, on connaissait pas je crois. Je vais rien faire du tout. Ton bouclier peut être utile. Ton bouclier peut être utile. J'ai mon bouclier mais cette attaque passe à travers. Sans aucune putain de raison. Je pense que je vais juste arrêter de bouger en fait pendant l'attaque. Genre littéralement j'ai l'impression que c'est parce que je bouge que je me prends l'attaque. Genre j'ai juste l'impression que c'est parce que je bouge que je me prends l'attaque, c'est quand même fou. Ah oui, donc on est même plus sur une attaque de Bifrost qui inflige du Bifrost, on est sur une attaque de Bifrost qui te one shot à coup de Bifrost. Ok. Très bien, je me l'étais pas prise encore jusqu'à maintenant, bah. Tu vas payer. Bah, faudra plus que je me la prenne. Hein. Je n'ai absolument pas le droit de me prendre cette attaque. Reprends-toi mon frère. Je vais péter un câble. Toujours je vais péter un câble. Ah oui, putain. Je me suis dit que je pouvais le faire au moins avec la lance si les flèches ça fonctionne pas. Eh bien non. Et pourtant j'avais des flèches, hein. Je les ai lancées et tout. Un peu aléatoire. Après peut-être que la boule je peux l'esquiver, hein, vu que j'étais assez loin. Je pense que je peux juste roulade, c'est juste que j'y ai pas pensé sur le coup. Quoi. Ce que tu as fait. Ça m'a secoué le crâne. Cette attaque elle est vraiment vicieuse. Je pense que j'ai la tech. Faire une esquive. Oh putain! Ah ça, c'est nouveau ça! C'est nouveau. C'est complètement nouveau là, les chakras qu'elle balance. Et laisse-toi,
Ok, elle a une grande... Ouais, faut rester à son cac, hein. Ah merde, putain, mais il y a ça encore. Ah ouais, mais c'est chaud, ça. Tu abandonnes déjà ? Ça, c'est chaud, du coup. Putain, il y a deux chakrams, un poison, un gel, j'ai l'impression qu'ils sont lancés. Chacun dans une direction et qu'ils font un tourbillon autour d'elle. Oh putain, c'est chaud, ça. Je pense qu'il faut s'écarter d'abord, j'imagine. Il faut genre reculer, puis après se réavancer une fois qu'ils sont plus au corps à corps. Ça, par contre, elle a tellement de vie. Genre, c'est un délire. Hein. C'est un délire la vie qu'elle a. Hein. Faut juste pas être au corps à corps du coup. Ça le fait son attaque. Oh, fait chier. C'est trop dur cette attaque. Ouais, je sais pas si elle le fait tout le temps aux mêmes circonstances, genre après ces deux. Non, pas tout le temps. C'est souvent quand elle va être loin en fait et qu'elle peut revenir sur moi rapidement. Elle est très dure à capter cette attaque. Elle est très dure à capter cette attaque. Et j'ai l'œil qui pleure, putain. C'est chier. Ça va être dérangeant ça pendant le combat. J'ai les yeux qui fatiguent. Ah là, il y en a un de feu et un de poison, ok, ça dépend. Oh putain, ah oui, d'accord, ça on connaissait pas non plus. Oh putain, elle a tellement de patterns différents et elle joue, ouais, elle joue pas de la même façon du coup, que tu sois au corps à corps ou près d'elle. Globalement, il faut rester près d'elle parce que ses attaques de loin, elles sont vraiment, vraiment compliquées. Ouais. Après elles sont pas impossibles hein. C'est juste qu'il va falloir connaître les patterns. Putain, le combat va être dur. Oh, ça pire. Moi qui pensais terminer le jeu aujourd'hui. Tu vas payer ce que tu as fait. Ça va être complexe. Hein. Attention, frère. Couvert de bouffe. À genoux. Élève-toi!
fait, elle peut mixer plein d'attaques différentes en fait. What? C'est quoi ça? C'est encore une nouvelle attaque. Ah. Bye le coup de Kratos. Et ça c'est nouveau pattern encore. Pas fini encore avec tous les patterns. On en découvre encore. Bien fait de me rapprocher. Ah j'ai plus de... J'avais plus d'armes dans les mains. Après une résurrection, tu n'as plus d'armes dans les mains, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi je perds la lance de temps en temps, c'est pas logique alors qu'elle est censée être infinie dans mes mains. J'ai jamais compris ce délire. C'est quand même dingue parce que la lance ça fait quand même pas mal de dégâts en vrai. Hein. Pour la plupart des mobs. Peut-être qu'on peut la cancel avec des flèches sigillaires. Voilà, c'est mort. Regardez ma vie. Ouais, ce qui est dingue, c'est que en vrai, ça fait quand même des dégâts ma lance. Et que là, je me rends compte que corps à corps, elle fait zéro dégâts contre elle. Ce qui n'est pas très rassurant. Hein. Alors, vraiment, le combat, c'est vraiment un combat de longue haleine. Tu vas finir. Tu as fait. À genoux. Oh. Elle m'a enchaîné avec des attaques à distance là, j'étais pas bien. En fait, elle a tellement de patterns, tellement d'attaques différentes et tellement de mix-up, genre d'attaques qui peuvent survenir après d'autres attaques, pendant d'autres attaques, etc. En fait, il y a tellement d'attaques qui mix-up ensemble, qui vont ensemble. C'est souvent un pattern de boss assez classique. Là, t'as une attaque qui va toujours derrière une autre, en fait, la plupart du temps. Et ça va aller de 1 à 2 en plus, mais jamais plus, quoi. Enfin, genre, t'as un ou deux patterns différents. Et avec ce boss là, j'ai l'impression qu'elle peut mix-up toutes ses attaques en fait. Bah ouais, mais je peux pas la lock. J'aimerais bien prendre garde. J'aimerais vraiment prendre garde, mais je ne peux pas. Même ça qui est censé faire énormément de dégâts. Non, ça en fait hein. Et le truc c'est que c'est trop brouillon. Et du coup ça en fait pas tant que ça pour le brouillon que ça fait quoi. Attention frère, tu es tellement dur. Je m'ennuie. Ouais. Ça va demander beaucoup de travail hein. Je pense qu'on va la... On va la garder, ok? On va la garder au chaud et ça sera vraiment le dernier contenu qu'on fera. Parce que je pense que c'est le contenu le plus dur du jeu actuellement. Je suis pas sûr que le dernier Berserker soit aussi compliqué honnêtement. Donc on va la garder au chaud. Et on va plutôt essayer de faire le contenu additionnel qui nous manque. Et on finira par la faire... une vidéo de 18h. On irait par la faire dans une vidéo de 18h où on arrivera peut-être à la vaincre au bout d'un moment. Et en attendant du coup il y a les arènes.
Combat Gna, il y a les arènes, il y a le coffre des Norn. Il y a 15 épreuves de creuset. Oh là 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 là, comment j'ai la flemme. Est-ce que du coup c'est pas ça les... Est-ce que c'est pas les lames là du coup pour ouvrir le coffre des Norn? Ça a l'air hein. On peut commencer par ces... Régulation des populations. Tuer l'élite en gardant la population dans les limites. On peut s'échauffer mais j'ai la flemme. Tuer l'élite. Sur ta gauche. C'est quoi l'élite? Un mec derrière moi apparemment. Des ennemis sur ta gauche. Il y a un peu trop de... Le creuset épreuve 1 sur 6. Cendre divine. Nous avons relevé le défi, mais nous n'avons pas encore tout vu. Y aurait-il d'autres arènes ? Dirige des braises éternelles, une armure légère mais incroyablement robuste alimentée par les braises de Muspelheim. Augmente les gains de permafrost immolation et Maelstrom. À toi de choisir. Gardez les ennemis hors des cercles durant le temps imparti. Ça a l'air chiant. Derrière toi, attention. Derrière toi, prends garde. Ça doit faire mal, mon frère. Tout va bien? Arrivons à la prochaine vague. Y'a un autre cercle ou pas? Ah oui. Un autre drogueur sur la gauche. Ah, le but c'est qu'ils viennent pas ici quoi. Mais du coup c'est quoi le... C'est combien de temps? Je comprends pas. Ah oui, faut que j'ajoute qu'il y ait personne. Ah mais putain, oui, il y en a là-bas. Il y a deux cercles à gérer en fait. J'avais pas capté ça. Vite. Derrière toi, du poison. Préparez-vous à la dernière vague. J'avoue que je capte pas trop le délire du cercle. Bien avoué. J'ai juste tué les ennemis hein. Si je sais qu'il faut pas qu'il reste trop longtemps, mais je pense, j'imagine ça doit être ça. Ah oui mais non mais. Par contre.
Bon, je ne pouvais pas, je pouvais littéralement pas descendre. On peut s'enlever s'il vous plaît. Ah, donc lui il monte comme il veut lui. Derrière toi. Attention à droite. Oh putain de sa mère. Attention frère, tu es couvert de bifrost. Terminé, mais est-ce que c'est réussi? Je comprends rien. Oui apparemment. J'ai pas tout compris hein, j'avoue. Je pense qu'il fallait juste pas que les cercles explosent. Peut-être à un moment, j'en sais rien. Je sais pas trop. En tout cas, je peux vous dire que les trucs comme ça, ça me plaît pas trop. J'avoue que c'est pas le type de contenu que j'aime faire moi dans ce genre de jeu. Même si je comprends, ça fait du défi. Donc du coup, est-ce que ça a enlevé une... Est-ce que ça a enlevé une truc du coup? J'imagine que oui. En fait, le coffre des Nords, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça a enlevé le R. Très bien. Attends, j'ai pris ce qu'il y avait dans le coffre. J'ai cliqué à la va-vite, mais je sais même pas si j'ai pris ce qu'il y avait dans le coffre. J'imagine que oui. Ouais si si, ça m'a juste donné des ça m'a juste donné du loot hein je crois. Ouais y'a plus rien. J'étais tellement concentré sur autre chose, à penser à autre chose que... Donc du coup je dois encore faire deux comme ça quoi, en gros deux. Il y en a 6 pour la quête. J'dois encore faire 2 épreuves de 2 alors. Fais chier. J'aurais dû apporter un seau d'eau. Ou une baignoire. Ou une baignoire. Bon, on sait. Que sais-tu de ces épreuves? Presque je sais. Sûr, t'as mis au point tout un tas de défis de combat pour éprouver ses armes et tout. Mieux au combat, meilleures sont les récompenses. Le coup classique. Ça, mieux au combat, mieux sur la récompense. Il y a une note aussi. C'est juste si on réussit, c'est ok. Fabricable. Poignée de réflexion radieuse. Des attaques à distance réussies à la hache charge désormais le permafrost. Lame du chaos. Fabricable. Sente divine. Au mode de la flamme originelle. Augmente les dégâts des attaques runiques des lames quand jauge d'immolation est pleine. Et du coup, je vais pouvoir juste crafter ça et après, je pourrai pas. Toujours à 8 hein. Toujours pas ma dernière flamme du chaos. Donc ça je peux pas. Et du coup il y a aussi un rond. Ouais. Il doit y avoir un truc à faire avec ça, mais j'avoue que je comprends pas trop. Je comprends pas trop tous ces trucs de perma, immolation et maelstrom là. J'aurais peut-être m'y intéresser, mais j'ai la flemme. Voilà. J'ai la flemme. Ok, je vais prendre ça. Bon, ça va être un peu décousu la vidéo du coup, parce qu'on a fait Gna machin. On va essayer une autre. On va essayer de les faire hein. De toute façon, s'il y en a 6, on va essayer de faire les 6 hein. Pour la quête. Une affaire de bravoure. On va essayer de faire pour la quête les 3 trucs et puis voilà. Y'a rien d'autre à dire. Hein. Un de ces défis t'attire plus qu'un autre. Éliminer les ennemis dans le temps imparti. En hauteur sur la gauche. Projectile à gauche.
Mon frère. Oh, genre. Pas d'accord avec ce qui vient de se passer, moi. Ça va, on avait grave le temps. J'imagine qu'en fait là c'est juste le niveau de base en gros, et après tu peux peut-être les refaire pour avoir des meilleures récompenses, genre en plus difficile, j'imagine. J'imagine qu'il doit y avoir un bail comme ça. Et autant vous dire qu'on y fera pas, hein. Genre vraiment. Déjà ça me gave d'y faire parce que j'aime pas ça. Donc autant vous dire qu'on y fera pas, c'est sûr et certain. Évitez de subir des dégâts. On s'écrit éviter de subir des dégâts et pas ne pas subir de dégâts du coup. Enfin, peut-être juste on prend ultra cher quoi. Attention. Il y a plein de trucs chiants. Du coup faut battre tous les mobs. Un autre cauchemar sur la gauche. Ok, les cauchemars c'est bon. Ou pas. Là c'est bon. Vous avez échoué à l'épreuve du creuset. Ouais, tout ça pourquoi? Eh bah parce que j'ai misclick ma compétence. Quel défi relève-t-on aujourd'hui? Donc ouais, ok, il faut pas se faire toucher. Du coup l'énoncé est un peu chelou quoi, c'est pas éviter, c'est ne vous faites pas toucher quoi. C'est littéralement ne vous faites pas toucher, genre je comprends pas la trad inutile quoi. Jouer au con là. Attention, dans les airs. Oula, il a fait un mouvement bizarre, j'ai cru qu'il m'attaquait. Non, c'est bon. Non, plus que deux. Tu sais pas compter, Kratos. Littéralement, plus que deux. Oh putain, oui, c'était ça. Bon, ça va, Freya lui a infligé quelques dégâts. Hein. Freya lui a infligé quelques dégâts, quoi. Parce que moi, je me suis pas du tout occupé de lui. Ok, bah merci, Freya. C'est la boss. Ok, bah on a fait plus de la moitié. Parfait. On aura deux épreuves du calvaire et on sera pas mal. J'imagine que le dernier est là-haut. Après, il y a les trucs les plus simples qui sont passés.
Elle recèle des défis. Mais sérieux, on vient d'en faire deux déjà. Hors de l'arène, les ennemis se remettent plus vite de leurs blessures. Ok, ça va. Jeter des orbes dans la brèche du royaume pour la refermer avant le temps. Oh, ça, ça a l'air chiant. Comment ? Ça a l'air très très chiant, ça. Ah oui, d'accord. Ah oui. Attends, mais du coup, c'est quoi ? C'est eux qui prennent des dégâts, alors ? C'est, j'ai pas compris, c'était dans quoi ? Déloge ce morne avant qu'il nous empoisonne tous ! Où est-ce qu'il faut que je les bute pour qu'ils prennent... faut que je les fasse sortir. Faut tous que je les tue, comme ça, genre. Faut tous que je les jette dans la lave ou quoi? Ça va être super dur. Il y a un endroit je pense où faut les taper mais je sais pas du tout où c'est. J'ai pas du tout compris. Oh let's go, elle en one shot. En fait on y arrive juste parce qu'elle one shot des gens en fait. Alors que je sais très bien que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. J'ai clairement pas compris ce qu'il fallait faire. Au cas où ça se verrait pas, j'ai clairement pas compris ce qu'il fallait faire. Ils sont. C'est quoi? C'est là-dedans qu'il faut que j'aille? C'est où? En fait, y a pas de zone au sol, il est censé avoir une zone, non? De l'endroit où ils sont. Sinon, on va attendre que Freya le tue tout le monde, hein, et puis voilà. Hein. Là, actuellement. Allez, tombe. Yes. Ouais. Ah franchement ouais, à part les faire tomber dans le vide, j'ai pas trop de solutions là actuellement. Je savais pas du tout que ça faisait ça en fait. Je viens de comprendre ce que c'était en fait. Ça rapproche et ça éloigne. Putain. Ah ouais, bah c'est comme ça qu'on va faire. Hein. Aïe, 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 oh, tu vas te calmer. Oh frérot, ça va aussi. Alors, par contre, ceux à distance, faut juste réussir à les. Essayer de faire tomber vos ennemis dans le vide. Et bah, d'accord. Ouais, faut juste les one-shot en fait. On va essayer à leur mettre des têtes. Bon, elle veut pas tomber elle. Non, allez, tombe, on a dit. Voilà. Ennemi, derrière toi. Ennemis. Non, il y en a beaucoup plus. Il y en a encore 5, Kratos. T'es con ou t'es con? Je pense que Kratos a des difficultés en mathématiques. Quel régal. Quel régal. Aïe. Quel régal.
découvert ça maintenant, quoi, c'est trop marrant. En fait, le jeu est trop facile quand t'as la lance. Ça porte n'importe quel ennemi. Bon, peut-être pas un boss, hein. Pas encore vu tout ce que cette zone a à offrir. Ouais, ouais, je sais, il reste un truc. Je sais bien qu'il manque un truc. Compétence, qu'est-ce que j'ai? Merde. Charger totalement le souffle destructeur avant de le relâcher. Augmenter considérablement la puissance de la déflagration et projeter les ennemis en l'air. Dégâts, étourdissement, protection. Tiens, ça peut être pas mal ça. Ça nous augmente notre défense générale quand on fait l'attaque comme ça, si on se prend des coups. Enfin, ça évite qu'on vacille, quoi. Donc ça, c'est quoi éliminer les ennemis qui brillent pour obtenir des orbes. Et après, faut jouer au foot, de ce que j'ai compris, c'est ça. Intéressant. Je crois que tu dois lancer ces orbes. Ok. Faut nourrir là. Protège-toi. Et arrête de sélectionner des mecs qui sont à 1 milliard de kilomètres, genre. Ça devient gênant. Si Alpha. Esquive. En fait, c'est tous les ennemis, en fait. C'est littéralement tous les ennemis. Reprends-toi, mon frère, tu peux le faire. Tiens-toi. C'est littéralement tous les ennemis, en fait. Tu vas bien? Oui, et toi? Oui. Ah, c'est pas fini? Ennemi derrière toi, Kratos. What? Qu'est-ce que c'est? J'en mets 15. Oh l'angoisse. Aïe. Non mais ça va. Oh les. Oh, ces drogueurs là, ils sont trop chiants, c'est un délire. Ah, c'est raté. C'est loose, hein. Oh là là. Quelle horreur. Oh là là, quelle horreur. Ah ouais, non, elle a très mal commencé déjà. Cette deuxième phase. Oh non, on va crever, tranquille. Oh non, quelle horreur. Putain, j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il y ait une deuxième phase. En plus, les ennemis de la deuxième phase, quoi. Attention. Oh, vas-y, ça va aussi, putain. Les couilles de me faire chier dessus à chaque fois, là. On va lancer ces orbes d'âme dans le vide. Bien que c'est qu'une trêve. Regarde sur la gauche. Donné.
J'arrive. Allez, prends. Oh merde, c'est pas un... Regarde, je suis gouré. Trop con. Il est chiant lui hein. 9. Ah oui, il en donne plusieurs lui. La valeur des orbes est proportionnelle à la puissance des ennemis tués. Ah, effectivement. Oh oh. Ah si, c'est bon. Oh non, lui il est loupé. 40 secondes, ça devrait le faire. Allez mon frère, tu vas avoir besoin de flèches. Let's go. Y'a pas une troisième femme. Phase, pardon. Let's go. Et voilà. Ouais, on a fini les épreuves nulles. Que ça, je peux vous dire que c'est des épreuves nulles, ça. Hein. Ça, c'est vraiment les épreuves pour bébés comme moi, quoi. De bébés pour moi, en fait. Nous avons vu et triomphé de toutes les arènes. Quelque chose a peut-être changé dans la salle centrale. Oui. Il y a un coffre des Nornes à ouvrir maintenant. Ah, et tu me diras, vu qu'il y a une arène, il y a peut-être un truc final à faire. Il va peut-être y avoir une épreuve ultime. Ah. Elle réagit à nos actes. Let's go. Elle n'était pas là avant. La dernière. La dernière pour améliorer mes lames. Épreuve finale commencée. Quoi ? Non, mais j'ai rien commencé du tout là. Terminer les 6 épreuves finales du creuset. Oh la flemme. Je pense qu'il faut tout refaire, j'imagine. Mais ici. Oh la flemme. J'avoue que là j'ai la giga flemme. Je vais en prendre soin. Oh, merci d'avoir ramassé ça. Tac, on améliore ça au max. Ça y est, nous avons officiellement toutes nos armes améliorées au maximum. On va fabriquer ce qu'on peut fabriquer, c'est-à-dire ça. Et du coup, il nous faut encore 1000. Il nous faut encore 1000 pour. Ah non, il n'y a plus rien de fabricable. Attends, mais il n'y avait pas un rond fabricable? Bah si, lui. Ah oui, mais du coup, c'est pas écrit fabricable vu que je peux pas le fabriquer. Oui, donc il me faut encore 1000 machins, ouais. Ouais. Ça risque d'être très impressionnant. Il y a encore le truc d'arme qui a bugué. Enfin, qui est bugué. Ça, c'est très très triste. Nous sommes à 62 heures de jeu, les amis. Ils nous ont presque terminé le jeu à 100%. Et en fait, là, faut retourner dans les endroits là pour refaire deux épreuves pour ensuite débloquer celui-ci, quoi, en gros. 6 sur 15. Oh, c'est trop chiant, putain. Je déteste ça et ils en mettent plein. Oh, putain. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le... On a combien ? On a une 24. On va aller voir le Berserker, voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est un réel dernier combat ou... Ou est-ce que c'est juste une discussion? Je pense que ça sera quand même un combat, j'imagine. Je sais plus où c'est, par contre. Je sais pas si c'est pas au niveau du puits dur de là. Je vais revenir ici. Je vais voir un peu ce qu'il en est. Si c'est juste une discussion, machin, si c'est juste un petit truc banal, bah tant mieux et on quittera la VOD dessus. S'il y a un combat, peut-être on le tentera une fois comme ça, mais je pense qu'après je cutterai. Dans tous les cas, je pense que je cutterai la VOD. C'est pas du tout ici. Où est-ce que c'est? Ah, c'est là-bas. Autant pour moi. Putain, mais en plus il y avait un... En plus il y a un truc.
Il y a un accès mystique. J'imagine que c'est un combat. Faut pas nous laisser nous en tirer comme ça. Combo du roi. Un ultime combat du coup contre le roi. La pierre tombale du roi Rolf, elle s'est reformée. Il ne nous reste qu'une chose à faire. Eh. Ultime combat berserker. Rolf. Il doit avoir un combiné de toutes les attaques possibles. Lui aussi il a énormément de vie. Aide-moi serment. Incline-toi devant moi. À genoux devant moi. Shot des familles. Bon, il est pas compliqué, mais il va être long. Genre un peu comme Gna, quoi. Il a autant de vie que Gna, j'ai l'impression. Donc ouais, ok, on va pas le faire maintenant, comme ça on va s'arrêter ici pour cette VOD. Et on reprendra la prochaine VOD où on essaiera de faire le Berserker. Du coup, il nous manque le roi Berserker, la reine Valkyrie et les dernières herbes. Épreuves, je vais y arriver, de Muspelheim, et après on aura normalement, je crois, terminé le jeu. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Je vais juste faire un récap vite fait pour être sûr. Donc pierre tombale, c'est ça. Donc juste le roi. Tout ça c'est terminé. Et là il nous reste creuser de Muspelheim et une affaire de bravoure. Et la reine Valkyrie, je sais pas pourquoi. Elle est pas comptée dans le 100% la reine Valkyrie, ok, pourquoi pas. Elle est pas comptée dans le 100%. Ok. Mais bon, faudra la faire quand même, bien évidemment. Ok, je vous fais des bisous sur YouTube, ciao.